On se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog qui à mon avis va être assez long vu la pile de jeux que j'ai à côté de moi. Euh, il s'agit euh, d'un vlog sur ma sélection euh, de jeux. Bah, j'ai tout regroupé un hein, tarot, oracle, petit le normand sur le thème du printemps, parce que vous me l'avez demandé. Donc je me suis fait un plaisir bah, de vous la faire. Euh, bah, j'ai réuni, j'ai sorti de mes armoires. Tous les jeux qui pour moi me font penser au printemps que j'utilise plus maintenant. Voilà, ben, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un paquet. Donc on va commencer peut-être par les petits Le Normand. J'en ai trois à vous montrer. Euh, J'ai celui-ci, le Green Le Normand euh, d'Angélique Voyance, qui me fait penser moi au printemps, euh, de par cette très jolie. Euh, Illustrations, voilà. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, tiroir. Déjà le dos, moi, me fait penser au printemps. Hein. Je le trouve très très joli. Euh, C'est un, il a été auto publié et euh, ben moi ici j'ai la version euh, des éditions bussière euh, en mass market. Voilà, on le trouve encore, je pense, partout sur Amazon, euh, la Fnac, etc. Et euh, ben moi, il me fait penser au printemps. Voilà, euh, j'adore ces illustrations. Je ne, sais pas, je, crois, je ne sais même plus si je vous l'avais présenté. Je crois bien que oui, regardez-moi ce jardin ou ce chemin. Moi, il fait vraiment penser euh, voilà, au printemps. Même la croix, il y a des fleurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit Le Normand. Mais le dos, eh c'est clairement pour moi le printemps. Le dos de la boîte est assorti. Je trouve ça très joli. J'aime bien ces deux petits jeux, j'aime bien celui sur les bonbons aussi qu'elle a fait. Mais bon, celui-ci, il me fait plus penser au printemps. Du coup, je vais essayer de le remettre dans sa petite boîte. Donc voilà, le petit green le normand d'Angélique Voyance. Ensuite, ben, obligé, euh, qui parle de printemps, de reparler du Tanis Le Normand hein, de ma belle Célia. Euh, moi, la boîte me fait penser aussi au printemps hein, avec sa couleur verte. J'ai la, la première édition dans cette fameuse petite boîte euh, d'allumettes. Bon, le guybook, je ne vais pas vous le montrer. Hein. Surtout qu'il est connu. Il y a même le petit pochon dans les tons verts. Et bah, les petites cartes me font penser euh, au printemps avec les petites fleurs. Euh. Encore un jeu magnifique. Enfin, tous les jeux de Célia sont magnifiques. Voilà. Gardez-moi ça. Bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est vrai qu'il est archi connu, celle-ci aussi. Moi, je trouve qu'il respire le printemps. Voilà, avec toutes les petites fleurs. Oh, le petit cœur, enfin voilà, c'est un, un jeu magnifique. Même l'homme, la femme, le lys, enfin voilà, il est magnifique. Beaucoup de verre dedans. Et le dos, j'ai ce, ce dos-ci. J'amuse de dos là, moi. Je sais que dans la deuxième édition, le, le dos a changé, c'est plus le même, mais j'aime bien celui-ci avec ses tons pastel. Donc, ça, c'est pour le magnifique Tanis le Normand, que vous trouvez encore hein, maintenant sur le site de Célia, mais dans une boîte en métal. Par contre, j'aimais bien la boîte en métal, mais je n'ai pas craqué, j'étais raisonnable. Et euh, le troisième, c'est le païen, euh, l'oracle païen le Normand, qui me fait aussi penser euh, un petit peu au printemps. C'est vrai que j'aurais pu prendre le Celtic le Normand aussi, euh, qui me faisait aussi penser un petit peu au printemps. Je ne voulais même pas présenté, celui-ci encore. Donc il arrive avec un livret en français. Hein, voilà, Il a été traduit par des éditions euh, intuitives. Avant il était en, en anglais. Et ben, je trouve qu'il me fait penser au printemps aussi, moi. De par ses illustrations. Beaucoup de, voilà, ici on dirait un peu de la lavande. Euh, voilà. Celle-ci aussi, beaucoup de verdure. Et il est magnifique aussi ce jeu. -là. Ce sont des grandes cartes, par contre. Ici aussi, la tour, il y a beaucoup de verdure. Le jardin. Et les petites souris sont mignonnes. <laughs> voilà, ici aussi la femme, l'hélice, beaucoup de, de verdure. Les po le poisson. Et la croix aussi, voilà. Donc ça, je l'aime bien aussi, celui-ci. Et le dos est comme ceci. Donc ça, du coup, c'est le euh, païen le normand. Qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Voilà, donc ça c'était pour mes trois petits Le Normand euh, plutôt sélection printemps. Maintenant, je vais vous montrer ben, mes tarots. Là, j'en ai pas tant que ça. Hein. Printemps, j'ai beaucoup de jeux plus sombres. Ou... Enfin voilà, c'est ceux-ci qui me parlaient le plus. J'en ai une, deux, trois, cinq. Euh, on va commencer avec celui-ci. Je l'ai mis dans un pochon, un pochon de ma belle Antoinette Charbonnel que j'avais acheté. Euh... J'avais reçu avec un jeu, je ne sais plus. Forcément, euh, le tarot de la magie verte, même si le dos fait plutôt Noël, euh, bah, les illustrations, moi, me font penser euh, au printemps. Il y a beaucoup de fleurs. Pour chaque carte, il y a une plante aussi. Un animal et une plante, mais ça, ça le rend super intéressant. J'ai la boîte et le livret euh, pas loin. Hein. Je ne sais plus où je les ai mis. Mais comme ceci, je l'emploie assez souvent. Bah, il est dans un petit pochon euh, sur mon bureau. C'est un jeu que j'adore. Je le trouve magnifique. Voilà le fameux magie verte. On le trouve encore partout aussi. Hein. J'aime beaucoup euh, ce jeu. Bon, il n'est pas dans l'orte, hein, vu que je m'en sers assez souvent. Bon, il y en a qui font peut-être plus automne, mais quand même. Hein. Là, ici, par exemple, celle-ci aussi il ferait penser au, printem au printemps. La roue de l'année. J'adore ce jeu, il est magnifique. Celle-ci, elle est trop jolie. Voilà, ici aussi, par exemple, des hein, fleurs. Bon, il est connu aussi, hein, celui-ci. Je crois que beaucoup de gens l'apprécient. Le magnifique tarot de la magie verte, du coup qui est dans un pochon comme ça. Voilà. Bon, celui-là, je vais le mettre derrière moi. Alors, j'avais aussi envie euh, de vous montrer le Tarofona qui me fait aussi penser euh, au printemps. Hein, ici, déjà rien que la boîte. Euh, moi, la boîte m'emporte au printemps tout de suite. Euh, ah, bah tiens, j'avais d'ailleurs noté euh, ici l'intérieur de la boîte. J'avais noté s'il est renommé du coup. Le dos euh, fait aussi un petit peu printemps hein, avec des plantes et des branches. Et euh, bah, les illustrations, euh, ce sont que des animaux. Hein. Voilà, il n'est pas dans l'ordre non plus. Mais il me fait aussi penser euh, un petit peu au printemps. Et c'est un jeu magnifique. J'adore les illustrations. Regardez celle-ci. Bon, c'est un jeu qui vient euh, d'Amérique, hein, qui est auto-publié. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Ici, regardez. Comme elle est jolie. Avec des animaux. Je crois que c'est un des plus. Un des plus beaux tarots sur les animaux que j'ai. Je trouve qu'il y a tellement de douceur dans, dans, les, dans les illustrations. Oh, ça y est, dans le regard des animaux. Ben enfin, voilà, je l'adore celui-ci. Et il y a beaucoup de, de verdure, de nature, forcément. Hein. Celle-ci, la, la liberté, et celle-là. J'adore cette carte. C'est une carte supplémentaire avec cette tortue et les pensées. Voilà. Pour le magnifique tarot fauna. Il y a le livre qui va avec, mais je ne l'ai pas sorti de l'armoire celui-là. Yep. Voilà pour le magnifique tarot fauna de euh, bah, Devin Strickler illustré par Brittany Burkhardt. Voilà. Un grand chouchou celui-là. Alors, un autre jeu qui me fait penser un peu au printemps, c'est le. Luna del Sol Tarot. Hein, euh, J'ai pris la version française. Hein, je l'ai en anglais aussi. Mais dans la version française, il arrive avec une belle boîte. Et ça, c'est chouette. Voilà, euh, le guidebook ici est comme ceci. Il est pas mal. Hein, et bah, il, il respire aussi euh, le printemps. Hein, je le trouve très... Euh, mais les couleurs, pastel. Euh, voilà, il est magnifique ce jeu, Je vous l'avais présenté aussi. La qualité des cartes est topissime. Elles sont très épaisses. Et voilà, c'est un jeu qui me, qui me fait penser au printemps, qui me donne envie de l'utiliser maintenant. Des fleurs. Même la mort, elle a sa petite fleur, la petite abeille. Elle est trop jolie. Je vous en montre. une partie de mon jeu à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fabriqué Bon, oh, bon, faut pas chercher. Ici, on a bah, les fameuses narcisses ou les Jonquilles. Hein me font penser directement au printemps aussi hein. vu qu'elles sortent au début du printemps et j'adore bah, les couleurs voilà il est trop trop beau celui-là on le voit un peu moins par contre sur euh, les vidéos etc mais pourtant il est magnifique voilà et il est en français et le dos est comme ceci voilà pour ce ne l'aurais pas vu. Je vais quand même vite les remettre dans les boîtes en même temps. Bon, ça va vite hein, parce que sinon, après, je mets un temps fou à tous les ranger. Voilà. Donc, le tarot Luna Sol euh, de Kemedaglia. Je ne sais pas pourquoi je dis Del Sol, c'est Luna Sol, mais ce n'est pas grave. Alors, bah celui-là, forcément, je suis obligée de vous le mettre hein, euh, dans les yeux de printemps, le Sakura Tarot de Destiny, vu qu'il est sur le thème bah, du printemps. Voilà. Magnifique. Le dos est comme ça. Et euh, voilà, on a ici le fameux écureuil joyeux. Et euh, on a partout ces fameux cerisiers japonais. Celui-là, il est vraiment dans le mood du printemps. Hein. C'est un jeu magnifique. Franchement, les jeux des quatre saisons de chez Dextini. Je suis vraiment contente d'avoir craqué parce que j'adore avoir un tarot un taro pour chaque saison. Et. Ben, je les aime tous, franchement, ils sont tous les quatre super chouettes. Celui sur l'été, pas mal non plus. Hein. Voilà, dans les tons roses. Ouais, il est trop beau. Bon, euh, celui-ci, oui, il est nouveau disponible. Euh, je pense que c'est sur le site d'ailleurs d'Audrey Dora Clinzel. Euh, il est en précommande. Mais euh, je crois qu'il y a une nouvelle version. Où il y a des petites choses qui ont changé. Voilà. C'est une nouvelle édition. Si je dis pas de bêtises, hein. Voilà donc le Shakura Tarot de Destiny qui arrive dans une belle boîte aussi, euh, close comme quoi, ça, c'est chouette. Celui-là que je vous l'avais montré euh, dans, les guidons, dans les guidances, le Ostara Tarot, forcément je suis obligé de vous le montrer vu que bah, c'est le tarot euh, Ostara, c'est le sabbat justement qui correspond au printemps, donc j'étais obligée de vous en parler. C'est un jeu euh, tout en anglais, il hein. n'a jamais été traduit d'ailleurs, ça fait des années que je l'ai. Euh, c'est un mass market donc on le trouve partout, Amazon, Fnac, etc. Ça a été un autopublié aussi, il me semble, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Par contre, j'aime n'aime pas trop la boîte qui divise toujours les paquets comme ça en deux, ce n'est pas ce que je préfère. Bon, il pas dans l'ordre non plus, du coup, euh, vu que je l'ai utilisé dans mes guidances. Voilà. Mais c'est vraiment le jeu euh, pour le sabbat d'Ostara, du coup. Celle-ci avec les, les petits pissants lit. Celle-là aussi, regardez comme elle est jolie. Il y a, il y a pas mal d'animaux aussi. Dedans. Pas que, mais. Et ce jeu, j'adore son dos. Très printanier, du coup. Hein. Et je vais vous montrer hein, quelques quarts de l'autre paquet, hein, vu qu'ils sont coupés comme ça en deux. Celle-ci est magnifique aussi, regardez. Il est beau. On ne le voit pas tant que ça non plus, je trouve. Bon, il a déjà un moment. Hein. Il a déjà quelques années. Je ne sais pas de quand il date, mais elle est jolie aussi, cette... Un petit moment déjà quand même. Hein. Voilà. Et il a des tranches argentées, celui-là. Je sais pas si on le voit d'ailleurs dans le bouc, s'il y a une date. Oui, normalement. Euh, 2017. Bon, il n'est pas si vieux que ça finalement. Mais bon. Et c'est une boîte euh, comme ça. Aimantée. Voilà. Donc le Ostara Tarot qui a été euh, créé par quatre illustratrices différentes. Chacune fait euh, une, une, euh, une suite des mineurs, me semble-t-il. Voilà. Donc ça, c'était tout pour les tarots. Par contre, maintenant, pour les oracles, il y en a beaucoup plus. Donc voilà. Bon, on va commencer. Tout de suite avec le premier, hein, euh, celui-ci, hein, qui m'a directement bah, fait penser au printemps. Hein, euh, dans son petit pochon, déjà, c'est l'oracle de la sagesse des fleurs, de Lana Shine qui en a déjà fait plusieurs. Hein, celui sur les nuages et euh, celui sur les expressions euh, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'adore les trois. Et bah, c'est celui-ci qui m'est venu à l'esprit, voilà. Vu que bah, ce, il est sur les fleurs. Et moi, euh, les fleurs, ça me fait penser. Au printemps. Voilà, donc ce sont ces jolies illustrations. Hein. La menthe, les pétunias. Et moi, il me fait penser au printemps. La lavande, les primes verts, la pensée, les hyacinthes, les dahlias, les coquelicots. Bon, celui-là, il inspire le printemps. Hein. Les myosotis. Si jamais vous voulez voir sa présentation, euh, elle est dans, mes, dans ma playlist euh, des oracles. Hein. Regardez celle-ci. Et le 2 aussi. Hein. Respire le printemps avec ce trèfle. Les tulipes. Je ne sais pas pourquoi je, pour le moment, je vois des tulipes partout. Dans les grands magasins, je vois des bouquets de tulipes. Pas loin de chez moi, il y a tout un champ de tulipes où vous pouvez aller cueillir vos fleurs avec une caisse automatique. Du muguet. Lundi, c'est la fête du 1er mai du muguet. Les nénuphars et l'immortel. Voilà, c'est un jeu super beau et il n'est pas très cher. Par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible, celui-là. C'était le tout premier euh, qu'elle avait créé, celui-ci, et je ne sais pas du tout s'il est encore dispo. Voilà, et il arrive dans un beau pochon avec des papillons. Alors, ensuite, euh, j'ai pris celui-ci que j'ai mis dans une pochette comme ceci, moi, euh, que j'ai bah, depuis sa sortie hein, euh, l'oracle de So. Euh, parce que bah, ces couleurs, moi, me font penser au printemps. Voilà. Euh, j'avais encore le seau derrière et la dédicace. Hein. Et c'est vrai, euh, j'avais fait l'étrange comme ça comme Solveig l'avait expliqué dans un tuto en fait, en suivant ben, les couleurs et ça donne un jeu hyper coloré, euh, moi j'adore, bon il y en a euh, qui n'aimeront peut-être pas du tout, mais moi j'adore j'adore le dos, euh, d'ailleurs il est, euh, pour, enfin elle a fait une deuxième édition qu'elle vend euh, il suffit de lui envoyer un mail, je crois, enfin, si vous allez sur sa chaîne Youtube, vous allez voir sa vidéo elle en vend sur Vinted aussi mais le dos est rose et moi j'aime tellement ce dos-ci voilà et euh, les bordures ne sont pas arc-en-ciel comme ça non plus, elles sont euh, roses. Et euh, moi, j'adore bah, celui-ci. Voilà. Et bah, de par ses couleurs, euh, moi, il me fait penser euh, au printemps. C'est un oracle de divination, du coup, celui-ci. Hein. Mais euh, je l'aime beaucoup. Bon, je sais que euh, la première édition euh, était vendue à des prix euh, hors de prix sur Vinted. Voilà. Mais moi, il me fait vraiment penser. Euh, et j'adore les bordures. Elle avait fait un tuto, une vidéo où elle avait même montré les marqueurs qu'elle avait achetés. Et je les avais achetés pour faire euh, bah, les mêmes bordures arc-en-ciel comme ça. Il se trouve que ça en jette. Bon, il y en a qui vont peut-être me dire oh non, c'est moche. Je peux le comprendre. Voilà. Bon, du coup, celui-ci c'est un collector vu qu'il est plus euh, édité, du moins dans ce format-ci. Voilà. Mais ceux qui n'avaient pas cette version-ci, euh, elles sont super heureux euh, qu'elle ait ressorti. Voilà. Le fameux oracle de Sceaux. Je suis trop contente, moi, avec ce dos-là. Et du coup, avec mon petit euh, numéro. Bah, J'avais le 27. Voilà. Mais euh, pour bien le protéger, je le mets encore là-dedans. Et comme c'est est une pochette un peu arc-en-ciel, bah, ouais, je trouve que ça lui va bien. Voilà. Ensuite, euh, bah, celui-ci. Euh, mon oracle grain de lumière, euh, bah, qui me fait aussi penser euh, au printemps hein, de Liz d'Espot. Voilà, rien que l'intérieur de la boîte déjà. Euh, sont tous des jeux très lumineux. Hein. Voilà. Le dos me fait aussi penser euh, au printemps. Il arrivait avec un petit livret. Voilà, en couleur. Et bah, j'adore. Déjà, les cartes sont petites et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Ils sont très très jolis, euh, colorés, fleuris. Et j'aime beaucoup. Regardez celle-ci, comme elle est jolie. C'est un jeu coloré et... Voilà, qui fait du bien. Et on peut travailler les chakras aussi, vous le voyez. Hein, il y a des couleurs. Voilà. Elle est jolie celle-ci aussi. Voilà pour ce petit oracle euh, grain de lumière. J'aime bien aussi le format des cartes à celui-ci. Voilà, je vous le remontre. Ensuite, bah, j'avais envie de vous remontrer bah, l'oracle 22 hein, de Karine Vigrou, fleur de vie, parce que de par ses illustrations, euh, mais il me fait aussi penser un peu au printemps, moi, déjà le dos. Bon, même si euh, il fait du bien toute l'année, celui-ci, hein, mais... Mais quand même, voilà, il me fait penser. Euh, il est trop mignon. Il est tellement beau ce jeu. Et il y a aussi des fleurs dessus. Euh, voilà. Bon, même si je l'emploie euh, toute l'année, hein. mais il me fait penser par ses couleurs, euh, les petites fleurs, les motifs, les dessins, ben, un peu au printemps. Et bon, ces messages font du bien. Il est vraiment beau. Hein. Voilà, j'adore. Il n'est jamais bien loin. Regardez, petit Bon, celui-là aussi, je l'ai présenté. Hein. Ça, c'est un auto-publié, par contre. Et vous le retrouvez sur le site de bah, Karine Viguro, Fleur de Fille. Voilà. Pour euh, celui-ci. Euh, je vais les mettre par terre parce que je sens que ça va tomber. Alors, celui-ci me fait aussi penser au printemps, l'Oracle Aura, en édition limitée de Laura Barrière, qui malheureusement, apparemment n'est enfin, plus édité. Et apparemment, euh, quelqu'un m'a dit qu'elle travaille sur un autre jeu et qui ne serait pas du tout prévu euh, au programme euh, qu'elle republie. C'est dommage, c'est une vraie beauté. Et euh, bah, il me fait penser aussi, de par ses couleurs, au printemps. Voilà. C'est un jeu magnifique. Je sais plus, je crois que je l'avais présenté. Regardez celle-ci avec le castor. Il me fait, les couleurs me font penser, euh, bon, peut-être pas toutes, mais par exemple celle-ci, au printemps. Celle-là aussi. Et oh bah, je l'adore, celle-là aussi. Celle-là aussi, par exemple. Ah, bah celle-là aussi pourrait faire penser. Et bah il est magnifique et il y a beaucoup de cartes à celui-ci, une petite hirondelle. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a les saisons. C'est un oracle divinatoire, ça. Youp. Le repos. Celle-ci aussi, l'obstination. J'adore cette carte. Et on termine avec une carte toute triste, l'abandon. La trouve triste. Voilà, donc pour l'oracle Aura, euh, qui malheureusement n'est ben, plus édité. Croisons les doigts pour qu'elle ressorte un jour. Et les cartes ici me font aussi penser au printemps. Ensuite, celui-ci, euh, l'oracle des Haïkus de Célia et Sylvie Lavoie. Euh, aussi, chez Arcana Sacrable, à l'intérieur de la boîte. Hein. Euh, et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Bon, déjà, il est illustré par Célia. Le dos, moi, me fait penser aussi... Euh, printemps. Et ce sont tous des... Bon, ici, j'ai la, vers... la deuxième version dans une boîte dure. Il hein, y a eu... Bon, j'ai la première aussi que j'ai gardée aussi hein, dans une petite, une... Une petite box. Une box. Et voilà. Et bah, j'adore. Ça, c'est une de mes cartes préférées hein, avec la libellule. Et ce sont tous des, pe... des mini-poèmes, des petits haïkus, en fait. Et il euh, y a un peu plus d'explications euh, dans le livret. Mais de par ces illustrations... Bah, j c'est le printemps à plein nez celle-ci aussi elle est magnifique avec les abeilles. Celle-là aussi, je crois qu'elles le sont toutes. Hein. Je les aime toutes, franchement, elles sont toutes magnifiques, vraiment. Celle-là aussi est trop belle. J'adore ce jeu avec les petits oiseaux. Ben, au printemps, justement, ils viennent chercher à manger. Celle-ci, bah, elle est magnifique aussi. Hein. Hop. Et bon, celle-ci, c'est plutôt Noël. Voilà. Ce magnifique euh, oracle des aïkus. Que j'aime beaucoup aussi. Zouf. Je vous remonte la boîte. Ensuite, euh, j'ai celui-ci. Euh, bon, je l'emploie toute l'année aussi, hein, le message des papillons euh, d'Alana Fairchild. Mais euh, bah, de, ah, de par ça y est, je casse tout, de part les illustrations avec les, les papillons et les fleurs, bah, il me fait aussi penser au printemps. Mais celui-là, je l'aime d'amour. Je ne pensais pas d'ailleurs au début euh, que je l'aimerais autant. Et en fait, je l'adore. Voilà, j'adore les messages qu'il y a derrière. Bon, je ne vais pas m'attarder parce que vous le connaissez, hein, et les messages sont écrits au dos, mais ce sont des messages. Euh, J'aime bien tirer une carte le matin et, et avoir un petit message. Euh, il est très inspirant, je trouve. Voilà, d'Alana Fairchild. Donc ça, c'est un chouchou. Ensuite, ben, je vais prendre un plus petit. Euh, le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia, encore une fois, de Célia. Voilà. Euh, J'ai plein de petites boîtes, hein, mais celle-ci, euh, je l'aime bien parce que justement, euh, bah, le dos fait printemps et j'aime beaucoup. Et ça parle des fées, Voilà. Et en plus, il a un, un panel comme ça euh, de, de couleurs pastel et j'aime beaucoup. Voilà. Et pour le reste, bah, les textes sont dessus. Voilà. Il y a même encore une carte à l'envers, décidément. Voilà. La fée de la Vierge, la Vouivre, la fée de la Rose, etc. Et euh, bah, je le trouve chouette pour le printemps aussi, celui-ci. j'en ai beaucoup, hein, des petites boîtes. Voilà. Donc, le petit oracle des fées de Claire et de Celia. Bon, on va rester dans les petites boîtes. J'en avais pris deux. Celui-ci pour euh, vivre la magie des haïkus au quotidien. Bah, C'est de nouveau de Sylvie Lavoie. Et les illustrations de Célia. Voilà, ici il y a beaucoup de cartes par contre. Oui, 81 cartes. Je trouve que la boîte bah, elle est trop belle. Fait penser au printemps avec ses fleurs roses. Hein. Voilà, j'adore la tranche euh, dorée euh, mat. Et bah, je vais en prendre quelques-unes. Hein. Je ne vais pas toutes vous les sortir. Ça fait un sacré paquet. Le dos est comme ceci, avec des fleurs de cerisier. C'est magnifique. Et bah, on retrouve ici des petites fleurs aussi. Et bah, on retrouve de nouveau. Euh, des petits haïkus. Des... C'est inspirant, je trouve, à lire. En fin de tirage, le matin, ou voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Donc ça, ce sont tous des autopubliés. Hein. Ensuite, celui-ci, bah, qui moi me fait penser aussi au printemps, c'est l'oracle de la présence animale et ancestrale de ma belle Antoinette Charbonnel. J'ai les deux versions, mais celle-ci me fait plus penser encore au printemps parce qu'il y a des plantes dedans. Bon, ça, c'est un autopublié. Je ne sais pas du tout s'il si est encore édité. Euh, voilà, il y a un guidebook tout en couleur, en anglais aussi, en français, anglais. Et euh, je ne sais absolument pas s'il est encore édité. J'ai un gros coup de cœur pour ce dossier. Ne devinez pourquoi. <laughs> pour le petit hériton. Et évidemment, ouais, ça c'était une petite carte de merci. On a des cartes avec des mots-clés. Hein. Et, euh, et évidemment, des animaux. J'ai gardé l'autre version aussi, même s'il n'y a pas les plantes. Parce que bah, j'aime les deux. Et la première version était dans une boîte en métal. Voilà. Et bon, forcément, ce jeu est d'une beauté. Époustouflante. Elle a fait un travail magnifique. Et on peut travailler avec les cristaux aussi. Et ici, voilà. Ici, c'est la partie avec les, les fameuses plantes. Il y a des fruits. Et bah du coup, ceux-là me font penser. J'adore le côté aquarelle. Me fait penser du coup au printemps. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Mais alors, mention spéciale. Ah, ce dos magnifique je sais même plus euh, le dos était différent dans la première édition je sais même plus quel dos c'était il que j'aille voir je ne sais plus voilà donc ça euh, le magnifique oracle de la présence animale et ancestrale de ma belle antoinette Charbonnel le 2.0 ensuite bah celui-ci euh, de lucie christian qui n'est autre que iris et linac hein. euh, voilà donc désolée, on a été coupé par un appel intempestif. Donc je disais l'oracle aromatique de Lucie Christian, qui n'est autre que Lucie, euh, Lucie, Iris Elinac. Euh, mais celui-ci, elle l'a fait euh, en mass market. Et bah, il me fait aussi euh, penser au printemps. Voilà, vu qu'on parle de plantes aromatiques, euh, la boîte est magnifique. Regardez-moi ça. Euh, celui-ci était aussi, oui, du coup, chez Arcana Sacra. Il euh, y en a qu'un que je n'ai pas. Euh, celui qu'elle a fait. Euh, chez euh, Très Daniel. Il faudrait absolument que je pense à me le procurer. Voilà. Et bon, voilà. Il est magnifique aussi. Le dos est magnifique aussi. Voilà. Et bah, ici, on va parler euh, bah, de plantes aussi géranium, cannelle. Et j'adore les illustrations. Voilà. La camomille. L'encens. L'iris. Le laurier, la myre, Et il est magnifique. Frangipanier, la vanille, le patchouli. Et le romarin. J'en ai planté dans mon jardin cette année. Voilà, donc celui-ci aussi, euh, un petit côté printemps hein, avec l'oracle aromatique et la boîte. Trop trop jolie. De Lucie Christian, alias Iris et Linac. Alors, bah celui-ci aussi me fait penser au printemps. Euh, L'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Bah, déjà, la boîte hein, me fait penser, moi, au printemps. Euh, et c'est un jeu que je trouve magnifique aussi. Bon, je les ai tous, ceux d'Antoinette. Hein. J'ai aussi son petit enchanteur. Mais celui-là, bon, euh, comme il est en, sur fond noir, il est plus, euh, plus sombre. Mais celui-ci, euh, bah, il est magnifique. Enfin, moi, du moins, je l'adore. On sait aussi travailler les chakras avec celui-ci. Le dos est comme ceci. Et avec les cartes ici, on voit ici vous voyez les couleurs. Hein. Et euh, il est magnifique. Il y a des petits mots, des symboles. Celle-ci, je l'adore aussi. Alors, je ne sais pas, il me fait penser au printemps. Voilà. Il y a des arbres. Il est trop beau. Voilà. Il est magnifique. Enfin, moi, je l'adore. Bon, il est aussi sorti déjà il y a un petit moment, hein, celui-ci. Une vraie beauté. Ici, si on est dans les violettes avec le, le pissenlit celle-ci est trop belle, regardez, oh, l'éclosion, bah, elle toute seule, elle résume déjà bien le printemps avec l'éclosion, c'est un jeu que moi, j'adore, j'adore cette carte du coupile, on la remontre, allez, hop, elle est trop jolie, voilà, donc l'oracle lumière, bon, ça diminue, hein. il m'en reste plus euh, quelques-uns, <laughs> celui-ci aussi, moi, me fait penser au printemps, euh, L'oracle des fleurs enchantées. Bah, parce qu'il y a des fleurs et il y a des, des petits dragons, euh, bah, entre guillemets, euh, des dragons papillons. Voilà. Donc il me fait penser aussi euh, au printemps. Il a été traduit en français. C'est un jeu que moi j'adore. Voilà, le livre est en noir et blanc, ma foi. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations euh, sur les cartes. Elles ont un chouette format aussi, d'ailleurs. Elles sont allongées comme ça. Le dos est comme ceci. sais pas le plus beau dos que j'ai vu, mais euh, les, les illustrations, on a chaque fois un papillon et une plante qui est écrite ici. Hein. Par exemple, le cerfeuil, l'ail d'ornement, et il est magnifique. Enfin, moi, je suis sur le charme et j'adore les, les messages qui délivrent les myosotis. J'en ai dans le jardin, le fraisia. Le lupin, et j'adore regarder ces petites créatures, comme elles sont jolies. Le sureau. Voilà, il est trop joli. Le bouquinvillier. Le châne. Le lys. La passiflore. L'oiseau de paradis. Ça fait deux fois. Et j'en ai vu une encore ce matin dans un livre, l'oiseau de paradis. Décidément. La prime vert, Le tournesol et la mauve des montagnes. Voilà. Donc celui-ci, moi, je me fais penser au printemps aussi. Voilà. Parce qu'il y a des fleurs. Je ne sais pas. Moi, je dois vraiment associer le printemps avec les fleurs. Voilà. Il y a une trop jolie boîte aussi. Voilà. L'oracle des fleurs enchantées. Mass Market, on le trouve partout. Hein. Celui-ci, qu'on ne voit pas tant que ça, mais qui, moi, me fait penser euh, aussi euh, au printemps. Hein, L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales de Sylvie Lavoie et euh, Gabrielle Sanchez. Voilà. Je vais fermer à l'envers. Dans les tons lilas, comme ça. On a un gros, euh, quand même, livret hein, en couleur. Voilà. Magnifique. Il est trop beau. Et évidemment, je vais essayer de le remettre à l'endroit cette fois-ci. Ça mène, ça, c'est quelque chose qui s'est quand je, les jeux sont la, le texte est à l'envers par rapport au couvert. Vous voyez à quel point les vierges sont maniaques. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup et les cartes sont à l'envers aussi. <laughs> voilà et bah forcément sur les fleurs et elles sont trop jolies. Et en fait, à chaque fois on retrouve la plante illustrée la, le nom de la plante illustrée travaille les chakras aussi je le trouve magnifique le thym la rose le pissenlit regardez comme c'est joli la pivoine j'adore la mienne repousse d'ailleurs re, chaque année elle revient à ça cette petite bête j'en ai vu une hier ou avant hier dans le jardin je ne sais pas ce que c'est la marguerite Ouais, il est trop trop beau ce jeu. Pas dans l'ordre non plus. La lavande. La mienne repousse et elle a l'air de bien se plaire. Je suis trop contente. La capucine. Achille et millefeuilles. Et le basilic. Voilà. Je les trouve magnifiques aussi. Et forcément, elles me font aussi penser au printemps. Hein, dans son beau pochon violet mais on ne le voit pas tant que ça, celui-ci. Donc, c'est l'oracle de phytothérapie de mademoiselle Mille Pétales. Je vous l'ai présenté, hein. Mass Market, toujours Dispo aussi. Ensuite, bah, évidemment, celui-ci, j'étais obligée de vous en parler, l'oracle de la magie verte. Hein. Voilà, rien que par ces illustrations, euh, on plonge dans le printemps, je trouve. Voilà. Euh, J'adore euh, bah, ces cartes. Voilà. Le livre, est, on dirait euh, un effet comme ça un peu. Un peu cuivre cuir. Il est tout en couleur. Et bah évidemment, euh, on va parler euh, bah de plantes, de légumes. Et il est trop beau. Voilà. Encore un qui a été traduit en français. Bah on retrouve encore le thym, la fraise. Et il est trop joli. La menthe. Le laurier. J'en ai planté un aussi. Le fenouil. Le concombre, le chou-fleur, le citron, le piment. Et je ne sais pas, de par ces illustrations, moi c'est le printemps. En plus, moi les, les, pour le moment, allais j'ai planté des aromates et on, est, on voit partout euh, ben, des plants de tomates, des plants d'un peu tout pour planter. Et ben, voilà. Grand muflier, Laurent et la marjolaine. Voilà. Et le dos, je vous l'ai pas montré, il est vert, comme ceci, avec les quatre éléments. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. L'oracle de la magie verte. Mass market, dispo partout. Alors, j'ai pris celui-ci. La sagesse mystique de Joséphine Wall. J'aurais pu prendre euh, tous les autres aussi. Hein. Il y a celui Murmure de guérison. Enfin, je les ai tous. J'en ai pris qu'un. Euh, mais ils, peuvent, ils font tous très bien dans la catégorie euh, euh, printemps aussi. J'aime bien le dos. Et il y a énormément euh, bah de, de détails. Euh. Oh, ils, allez, ces jeux sont d'une beauté. Il y a souvent beaucoup de fleurs. Euh, comme ici. Hein, voyez. Voilà. Et bon, ils auraient pu très bien tous être dans la même catégorie. Hein. Josephine Wall qui nous a quittés. Malheureusement. faisait de vraies merveilles vraiment ces jeux sont somptueux ici aussi on retrouve des fleurs des colibris et il y a plein de détails euh, celle-ci aussi est magnifique dans les illustrations celle-ci aussi fait penser au printemps j'adore celle-ci aussi est magnifique celle aussi elles toute sont toutes magnifiques voilà regardez-moi ça voilà donc ça c'est celui de la sagesse mystique je vais juste vous montrer euh, le livret je ne crois même pas que je vous les ai je vous en ai pr présenté un je pense mais tout ça c'est des jeux que j'ai depuis des années euh, que j'avais bien avant d'ouvrir la chaîne je ne les ai jamais présentés voilà d'ailleurs aux éditions ada euh, je ne crois même plus que ça existe que les, 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 il y a encore des jeux euh, qui sortent de chez eux voilà donc celui là alors celui-ci que je vous ai présenté aussi, l'oracle du petit peuple, mais parce qu'il me fait penser au printemps, ce fameux oracle sur les insectes. Euh, déjà qui n'est pas courant hein, euh, sur des insectes. Mais regardez-moi rien que ça ici, moi. C'est déjà le printemps. Euh, J'en prends plein les yeux avec un livret. Je vous les ai présentés. Je vous l'ai présenté. Pourquoi je dis je voulais Le dos est comme ça. Les tranches sont dorées. Et j'adore ben, les illustrations, moi, me font penser euh, au printemps. En plus, avec toutes ces couleurs de cartes comme ça, les couleurs, la libellule forcément, l'escargot, et ils sont dans des, dans des petits ronds avec des, avec des fleurs, voilà. Et euh, je l'aime beaucoup. En plus, pour le moment, il y a beaucoup d'insectes qui, qui refont surface hein, au printemps, dont la mouche. J'en ai déjà repéré on la puce, pas ce qu'on préfère. Voilà, ben celui-là aussi me fait penser les chenilles au printemps. Le criquet. L'abeille, j'en ai déjà aperçu, figurez-vous. Coccinelle, j'en ai déjà vu aussi dans le jardin. La sauterelle. Mais ben figurez-vous que j'ai des têtards dans mon étang. Oui oui. Et le moustique, j'en ai toute une colonie dans le jardin près de l'étang. Forcément, l'eau attire les moustiques. Voilà aussi. Donc celui-ci, euh, moi, me fait penser au printemps aussi. L'oracle du petit peuple de Emmanuel Japert. Et illustré par Aline Mergui. Voilà, que j'aime beaucoup. Et c'est un mass market qu'on trouve encore partout. Et. Le petit dernier, hein, je ne pouvais pas euh, finir la vidéo sans parler forcément de l'oracle des simples de Ciolo Thompson ici euh, dans son coffret Arcana Sacra d'une toute beauté. Hein. Je ne sais pas s'il est encore euh, disponible pour le moment, celui-ci, euh, à voir, avec un magnifique livre. Euh, voilà, wow, regardez-moi ça, en couleur. C'est un vrai bijou, hein, ce livre. Avec la petite boîte, bon, je vais peut-être juste le mettre de côté. Hop, la grande boîte, pour vous montrer plus facilement la petite boîte. C'est le printemps euh, plein les yeux. Hein. Voilà. Le dos, euh, Fatou. Il sent le printemps à plein nez, celui-ci. Et, celui -ci. et ben, vous l'aurez compris, avec des plantes. Voilà, finalement, je me rends compte que j'ai pas mal de jeux euh, sur les fleurs, les plantes. Peut-être même plus que ce que j'aurais cru. Voilà, il, il est magnifique ce jeu-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Mais C'est sur celui-ci euh, que va se terminer euh, ce vlog, sur ma sélection euh, de jeux sur le printemps hein, les tarots, les oracles et les petits. Le Normand. Voilà. Bah, du coup, ce sera quand même une longue vidéo. Et bon, j'ai un peu trié, hein, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Mais j'ai essayé de limiter quand même un tout petit peu, parce qu'ici, elle va déjà être très, très longue, la vidéo. Euh, du coup, bah, dites-moi dans les commentaires si on a des jeux en commun ou quels sont vos jeux à vous. Euh, sur le printemps, euh, s'il y a des jeux que vous connaissez pas, pourquoi pas hein euh, Si la vidéo vous a plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous de tout ça. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.